J'en ai beaucoup mangé des kebabs. Et puis avec soda, j'en mangeais tous les jours, 10 par jour. C'était insupportable, quoi, j'en pouvais plus. Quoi. Mais c'est vrai que parfois, je me fais un petit, quand même, une petite réminiscence. Quand vers 1h du matin, à l'abri de tous les regards. C'était très agréable d'avoir un médecin réalisateur. Dès qu'on a un souci, on lui demande « Ouais, tu penses que j'ai ça? Tu penses que là, je vais mourir ?» Moi, j'avais un peu l'impression en vrai de faire un film dans une langue inconnue, quoi, comme si j'avais joué en géorgien ou en albanais pendant 2 mois. Quoi. La phosphoglucomutase. Non, mais sérieux. De l'arnica en gélule à manger comme ça. Parce que déjà, ça ne fait aucun effet. C'est assez marrant parce que vraiment, ça n'a aucun effet. Quoi. On se cogne comme ça. Enfin, ça, en général, c'est sur les tournages. Dès qu'un acteur se cogne, on lui donne de l'arnica en gélule et ça fait vraiment aucun effet. Quoi. Mais c'est bon. Ça a bon goût. Quoi. On a fait une scène où on était dans un réfectoire. On mange un plat typique de self, de cantine, de cité universitaire, c'est la saucisse riz. Un plat que moi j'aimais beaucoup en plus quand j'étais au lycée et tout ça. C'est pas très bon, mais il y a quand même un espèce de truc qui est un peu addictif. Quoi. Et du coup, vraiment, on a dû manger, Vincent et moi, l'équivalent de 3 kilos de saucisse, puis un paquet de riz chacun de 1 kilo. Quoi. Après le soir, on a remangé. Moi, je pense que c'est Vincent Lacoste. Franchement, très honnêtement, je suis fan de Vincent. Moi, j'aurais aimé être Jim Carrey à un moment donné, je pense. Enfin, quand j'étais petit, vraiment, c'était ce que je voulais être. Non, maintenant, j'essaye tout simplement d'être moi. Vraiment la fin, quoi.